une forte soleil qui chauffe la ville de Kinshasa. Nous entrons chez vous dans vos bureaux pour vous dire l'actualité en République démocratique du Congo. Bonjour à toutes et à tous. Un seul titre dans ce journal, la CENI a publié les calendriers des élections pour le gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru et invite le candidat à se mobiliser. Merci d'être avec nous sur la radio-télévision nationale congolaise. La localité de Onoloa, créée Lumumbaville sur ordonnance présidentielle, cette entité n'a pas d'infrastructure pour accueillir le service public de l'État qui doit faire fonctionner toute une ville. C'est ainsi que hier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis les outils informatiques et engins roulants aux autorités urbaines pour lancer les activités de construction de cette ville. Images et commentaires. Une délégation des autorités de Lubumbaville, conduite par le VPM de l'Intérieur Daniel Asselo, a été reçue ce mardi 15 février 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a à cette occasion exhorté les autorités de Lubumbaville à travailler dans l'unité et la concorde avant de remettre quelques outils de travail à Madame le maire de Lubumbaville. Il s'agit des générateurs, des matériels informatiques, 5 motos Yamaha DT-125 et une Jeep 4x4 pour consolider l'effectivité de l'administration territoriale. Micheline Ayaki, maire de Lubumbaville, dit être très satisfaite de ce geste du président de la République. Le président, quand il était à Onaloa, il avait promis qu'il allait nous recevoir à Kinshasa. Chose faite aujourd'hui et telle que vous nous voyez là, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, le président a fait le go. Et vous avez vu qu'il nous a remis les outils de travail. Et nous allons travailler. Il nous a demandé de rester unis, de prôner l'unité. Parce que Lumumba ne divisait pas. Lumumba était nationaliste. De prôner l'unité, de travailler. Et lui nous soutient et il est derrière nous et prêt à nous écouter à tout moment. Et nous, au travers vos micros, nous lui disons, nous n'allons pas le décevoir. Nous allons travailler, surtout qu'il a l'idée du développement à la base. Parce que tout part à la base. Et nous, comme nous sommes aussi une grande base, on va travailler. Lubumbaville a été créée sur ordonnance de 2013 en hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle est constituée de deux collectivités dont Onaloa et Wembonyama dans le territoire de Katakokombe, province du Sankuru. Encore hier, le président de la République avait nommé un secrétaire général à la présidence de la République et a nommé également 3 ambassadeurs plénipotentiaires pour représenter la République démocratique du Congo en Russie, au Kenya et en Afrique du Sud. Nomination lue sur ordonnance présidentielle par le porte-parole du président de la République, Tarsis Mouima Yamayamba. Je viens vous présenter 4 ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance portant le numéro 22013 du 9 février 2022 porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-14 du 9 février 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22015
du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Quatrième et dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-16 du 10 février 2022 portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Tshishima Jean-Jacques. Voilà donc les quatre ordonnances dont je me devais de vous tenir informé. Les ambassadeurs accrédités en RDC ont présenté au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, leur copie figurée de lettre de créance. C'est là avant de le faire au président de la République. De qui il s'agit et de quel pays viennent-ils? Doris Mozo nous le dit dans son reportage. Entre la RDC de Méry Patrice Lumumba et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, c'est une longue tradition de coopération. Un nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo a présenté les copies figurées de lettres de créance au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Nech Adjé Silas est détenteur d'une licence en droit public de l'Université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il dispose d'une carrière politique intéressante. Le second diplomate à remettre ses copies figurées de ses lettres de créance à Christophe Lutundula Palapé-Napala est l'ambassadeur Cho Jen Chel, ambassadeur plénipotentiaire de la République de Corée du Sud en République démocratique du Congo. Diplômé en langue et littérature française, ce diplomate sud-coréen traîne une longue carrière diplomatique qui a commencé en 1993 au ministère des Affaires étrangères de son pays, la Corée du Sud. Restons toujours dans le chapitre de la diplomatie. Il sera organisé dans le prochain jour la conférence diplomatique par les ministères des Affaires étrangères. C'est le secrétaire général aux Affaires étrangères qui a annoncé la nouvelle lors de son échange avec les agents et cadres de ces ministères. Un reportage de notre consoeur de la RTNT de développement, Mati Mboui. Au ministère des Affaires étrangères, le vice-premier ministre Christophe Lutundula tient à la paix sociale. Voilà qui justifie cette rencontre avec ses agents non rémunérés. Le secrétaire général AI aux Affaires étrangères, Maître Joscar Kabongo, a eu de mots justes pour les inviter au calme et à l'assiduité. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire général AI a trouvé plusieurs problèmes comme celui lié aux agents effectifs engagés depuis 2018 et 2019, mais non payés jusqu'à ce jour. Pour cette question justement, le travail est en train d'être fait. Le bien fondé, c'est pour éviter la désinformation, pour éviter que ces agents soient manipulés autrement, parce que nous sommes en train de suivre les dossiers. Il était normal que nous expliquions à quel niveau nous sommes. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes que nous sommes en train de chercher à résoudre. Et à chaque fois, nous devons communiquer aux agents pour qu'ils sachent ce que nous faisons du jour au jour. Un autre point, et non le moindre, a été épinglé, c'est celui de la tenue prochaine de la 12e conférence diplomatique. Cette conférence servait un cadre de dialogue, d'échange d'expériences et de concertations. Il y a plusieurs questions aujourd'hui à travers le monde. Toutes ces questions qui se posent dans les pays sont aujourd'hui portées sur le plan international. Et face à tous ces problèmes, la RDC ne veut pas être en arrière.
la RDC voudrait être présent. Les présidents, lors de la conférence diplomatique, ils profitent pour actualiser la politique étrangère du pays. Une diplomatie de développement, c'est ce que veut impulser le vice-premier ministre aux affaires étrangères au travers des actions concrètes menées jusque-là dans son ministère. Le gouvernement congolais veut ressusciter tous les différents services qui produisent et qui accompagnent les développements du pays, d'où la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à Kinkolé à la commission de suivi d'évaluation et reconstruction des infrastructures de pêche, nous dit Patty Tondouang. Il a fait les déplacements de Kinkolé pour s'assurer de la bonne évolution des travaux de construction d'un débarcadère. Projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise à promouvoir la pêche locale pour le développement. Déterminé à suivre personnellement les différents projets lancés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est descendu au port de Boko à Kinkolé où il a eu droit aux explications du maître d'ouvrage qui est la direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures sur les niveaux d'exécution des travaux de construction de ces débarcadères qui va permettre d'accueillir le produit des pêches locales. L'objectif de cette descente ici à Kinkolé, c'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche, un besoin. C'était fait ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, donc chambre froide, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement selon la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes venus nous assurer que c'est un projet qui évolue bien. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres entraves, c'est un projet qui devrait se réaliser dans les temps. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a palpé chemin faisant les réalités des voies d'accès à ces ports menacés par l'érosion. Vous vous souviendrez que le Premier ministre a eu dernièrement un échange avec le responsable de médias congolais sur l'accompagnement du gouvernement aux décisions prises lors des États généraux. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de son allocution devant la presse congolaise. Voilà, nous avions, nous, garanti l'accompagnement de la CENI. Parce que gouvernement responsable et puis le gouvernement qui s'est engagé à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et donc nous avons mis de côté, effectivement, pour l'année passée, ça avait été annoncé lorsque je présentais le programme du gouvernement, 100 millions pour l'année 2021, et puis d'autres crédits qui sont placés pour l'année 2022. Et lorsque nous sommes en discussion avec la CENI, il est aussi question de la rationalisation des dépenses, des données publiques. Parce que n'oublions pas que c'est un quatrième cycle. La CENI, qui est d'ailleurs l'une des organisations ici en Afrique la mieux implantée dans le cadre de ces élections, devrait nous amener vers un budget qui soit le plus réaliste possible, du fait de notre passé. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu, et je pense que ça a été annoncé par la CENI, les dernières élections que nous avons connues dans ce pays ont été organisées avec près du milliard de dollars, ce qui était déjà énorme pour le prix de la démocratie. Et pour 2022, le budget nous proposé est de 640 millions d'euros par la CENI. Ça, c'est 2022. On n'a pas atteint 2023, et donc on se rend compte qu'on risque d'atteindre la même expérience. Et donc nous,
Et heureusement qu'on discute de manière la manière la plus responsable possible avec les responsables de la CENI pour qu'on puisse rationaliser les dépenses et aller vers ces décaissements trimestriels. Ce sont ces échanges qui se font actuellement et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça ils peuvent aussi garantir le reste de la population. Donc c'est simplement ça, et je ne voudrais pas qu'on en fasse une crainte plus que de mesure. Parce que, comme je l'ai dit, crédit déjà mis de côté l'année passée, et effort de crédit à mettre cette année, à dépenser comme souhaité d'un minimum trimestriel, minimum, si on peut aller plus loin, vaut mieux aller plus loin que ça. Et bien sûr, avec votre accompagnement médiatique, arriver au succès de cette opération. Alors, en 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Mais nous estimons que c'est important que nous puissions commencer ce processus vers la carte d'identité. Et n'oublions pas que récemment, il y a eu des incompréhensions vis-à-vis du recensement général de la population et de l'organisation des élections. Et donc, nous voulons rester le plus prudent possible pour garantir que dans le cadre du processus électoral 2023, c'est la carte d'électeur. Mais ça n'empêche qu'on puisse constituer le fichier national d'identification et la CENI peut y contribuer à côté de l'ONIP, mais sans pour autant que chaque organe perde son autonomie. C'est ça l'objectif. Et donc, aujourd'hui, discussion faite au niveau du gouvernement, option levée, décret d'ailleurs déjà adopté au Conseil des ministres dans le cadre de cette mutualisation, mais besoin d'assurer, surtout pour la CENI qui, elle, a des délais les plus contraignants, que ces opérations ne puissent pas l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Et nous pensons que c'est possible. Et donc, je tenais moi absolument à apporter ces précisions, comme ça, on n'a pas de confusion. C'est extrêmement important. Je le disais au début de ce journal, enfin, le calendrier des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankuru est connu, publié dans la soirée du 16 janvier 2022 par la Commission électorale nationale indépendante et présenté par le rapporteur Patricien Seya. Le détail dans son reportage de Téti Samba et Erwin Poudi. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Ntseya, a présenté ce mardi 15 février 2022 le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankuru. C'était au cours d'un point de presse organisé au siège de la centrale électorale. Selon le porte-parole de la CENI, cette élection se déroulera donc le 16 avril prochain. L'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankuru est arrêté conformément au calendrier en annexe de la présente. Outre la publication du dit calendrier, Madame le rapporteur a réagi aux questions d'actualité liées au processus électoral en cours. Quand on parle de l'indépendance et de l'autonomie financière, on parle aussi de la surfacturation des véhicules. Chers journalistes, je vais vous ramener à l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. Nous avons quatre types de budget, notamment le budget de rémunération, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget des opérations. Selon Madame le rapporteur, ce sujet intervient suite à la réclamation de l'autonomie administrative et financière de la Commission électorale nationale indépendante.
Les étudiants et étudiantes des universités et enseignements supérieurs publics vont reprendre avec les cours un nouveau protocole d'accord entre le banc gouvernemental et le professeur d'université pour la levée de la grève sèche observée depuis le 5 janvier a été signé. Le ministre de l'enseignement supérieur, celui du budget et de la fonction publique constitueront la partie gouvernementale. D'autres explications avec Dichala. La fin de la grève des professeurs d'université devient imminente. Les négociations autour de cette grève sèche déclenchée depuis le 5 janvier dernier ont repris entre la délégation syndicale des professeurs et le banc gouvernemental représenté par le ministre d'État en charge du budget Mebo Gisangara et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi Butondo à l'hôtel du gouvernement. À l'issue de la rencontre avec le banc gouvernemental, les professeurs invités à éclairer l'opinion publique ont affirmé par le coordonnateur de RAPUCO, le professeur Iyolo Pongo-Rodolphe, que l'accord a été signé. Vous savez, dans toute négociation, il y a toujours des concessions de la part du gouvernement et de la part du banc syndical académique. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour atterrir. Nous avons atterri parce que nous avons constaté que le banc gouvernemental a réagi à un certain nombre de points que nous avions soulevés. Et en tant qu'enseignants, nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer à rester fermes et il fallait évoluer. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à signer ce protocole d'accord. Je crois tel que les choses se sont déroulées et la satisfaction est de part et d'autre. Cette nouvelle, attendue par la communauté estudiantine, annonce la reprise pour très bientôt des activités dans les universités publiques. Au chapitre de la santé, sachez que le cancer chez l'enfant est une pathologie qui n'épargne pas l'âge pédiatrique. Il faut donc le diagnostic régulier pour l'éradiquer. Une recommandation du Centre national de lutte contre les cancers lors d'une sensibilisation de la population le 15 février dernier. Diane Balaka pour le reportage. Le cancer de l'enfant existe, à quelques différences près des cellules observées chez l'adulte. En cette journée mondiale de lutte contre cette maladie, les prestataires de soins ont été sensibilisés et formés sur la prise en charge de cette pathologie, surtout comment diagnostiquer les différents types de cancers, tels que le cancer de rein, de l'œil, du sang, sur base des symptômes comme les saignements à répétition de gencives, ballonnement du ventre, fièvre, la liste est continuelle. 15 février 2022. C'est une journée thématique, c'est une journée internationale. D'abord de former les grands publics, ensuite de sensibiliser sur des différents signes et ce qu'il faudra faire, de mettre en place des mécanismes pour soigner le cancer de l'enfant dans notre pays. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a créé le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, avec pour mission d'élaborer les politiques, normes et procédures pour lutter contre les cancers, de promouvoir la prévention contre cette maladie dans la société, d'où ses plaidoyers. Plusieurs parents ont abandonné le traitement pour le coût excessif. Nous demandons aux autorités du pays de nous venir en aide pour la prise en charge de cette maladie. Cette journée internationale a été instituée en 2001 dans le but d'augmenter la prise de conscience de cette maladie et d'exprimer un soutien envers les enfants touchés et leurs familles. Toujours en rapport avec la journée du 15 février, cette fois-ci au niveau du pays, chaque 15 février, l'on se souvient des nationalistes lumumbistes assassinés en 1961 à Bakwanga, actuel Mbujimayi. Un hommage mérité leur a été rendu par leur famille biologique pour avoir mené le combat de la libération de jour colonial belge. Lisette Omujinga pour le commentaire.
Pour avoir soutenu Patrice Emery Lumumba dans la quête de notre souveraineté nationale et internationale, un complot ourdissant contre Patrice Emery Lumumba et ses proches collaborateurs, après une décision collégiale du gouvernement de l'époque, les Lumumbistes furent arrêtés et assassinés. Mais l'histoire politique de notre pays nous enseigne que le premier ministre Patrice Emery Lumumba n'est pas mort seul. Il était accompagné de deux de ses collaborateurs. Au lieu de leur assassinat, nous rappelle un groupe des nationalistes lumumbistes est arrêté à Kinshasa et transféré le 15 février 1961 à Bakwanga où ils seront tués. Leur corps enfoui dans une fosse commune au village Kasengulu à 12 km de Mbujimayi. Il s'agit des finats Jean-Pierre, Muzungu Christophe, Elenge Sapierre, Mbuyi Joseph, Yangara Camille, Lumumba Jacques, Nzuzi Emmanuel, Fataki Jacques. 61 ans après, les familles se souviennent encore de leur combat de lutte mené aux côtés de Patrice Emery Lumumba en font appel à l'état des droits prôné par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour rendre justice à tous les 10 compagnons de Patrice Emery Lumumba qui ont versé de leur sang au sacrifice suprême pour le Congo. Notre pays mérite une véritable réconciliation. La continuité de l'État va organiser les cérémonies le 29 et le 30 juin prochain pour les obsèques de leur leader Patrice Emery Lumumba. Il serait juste de penser à honorer Patrice Emery Lumumba dans toute sa grandeur et l'entourer avec ses proches collaborateurs assassinés en 1961. Alors il est important que tous ces nationalistes et lumumbistes soient élevés à titre posthume et érigés une stèle en leur mémoire. C'est ainsi que nous allons conserver notre histoire et rassembler tous les Congolais autour de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Et enfin, pour permettre aussi aux familles d'élever le deuil le plus long de la République. Au Lualaba, le travaux de construction des collecteurs pour contenir les têtes d'érosion et de canalisation des eaux sur la route Kazembe ont été lancés dans les territoires de Mouchacha. Travaux financés par le FONER et lancés par le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kaléo, le 14 février. Suivant son élan des reconstructions et des luttes contre les têtes d'érosion dans la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini a dépêché ce lundi 14 février 2022 le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalaokapen, sur la route Kazembe pour le lancement des travaux de construction d'un collecteur afin de contenir une tête d'érosion qui menaçait les habitations des sites partis du chef-lieu du Lualaba. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre les érosions. Vous avez vu que la route Kazembe est en pleine réfection et en essayant de réfectionner cette route, nous avons constaté qu'en bas, il y a les érosions qui se créent et le gouvernement n'est pas resté calme. Aujourd'hui, avec l'OVD, vous nous voyez sur terrain pour justement arriver à construire ce collecteur et amener ce drain qui va justement nous aider à éviter cette érosion et aider la population environnante à bien circuler. Grâce à la volonté politique de Fifi Masuka Saini, l'Office des voiries et drainages a obtenu le financement du Fonds national d'entretien routier, FONER. Pour les directeurs provinciaux intérimaires de l'OVD, Georges Ntumba, ces travaux initiés par l'autorité provinciale vont soulager la population qui vivait dans une panique, mais aussi permettre une bonne canalisation d'eau sur ces tronçons. La province du Lualaba ne cesse donc de connaître un développement exponentiel sous l'impulsion de Fifi Masuka, que des routes bien faites, dont la beauté et la durabilité sont en train de conforter la carrure d'une bâtisseuse. Hier était l'anniversaire du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il totalise 40 ans avec 37 ans de lutte avant d'accéder au pouvoir. Une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo et l'homélie était axée sur la maturité, la sagesse et la nécessité d'unité au sein du parti politique cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. 15 février 1982, par les 13 parlementaires dont fait partie Étienne Tshisekedi Mulumba, Ngalou Lampandangila, Paul Kapita Chaban de Rez Mémoire. L'IDPS totalise ces 15 février 2022, 40 ans de vie en tant que parti politique. Premier parti de l'opposition qui a combattu tous les régimes dictatoriaux qui s'étaient installés en République démocratique du Congo sous le leadership du Sphinx de Limété. Pour célébrer cet anniversaire, cadres et combattants ont été conviés à une messe d'action de
Vegas en la cathédrale Notre-Dame du Congo organisée par le secrétaire général de ce parti. Un appel qui a suscité un engouement général auprès de ceux qui soutiennent la vision politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Dans son homélie, l'abbé vicaire de cette paroisse a salué la bravoure et les combats politiques des pères fondateurs de ce parti. Poursuivant, l'homme dédié a invité la famille politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'unité et à l'amour du prochain pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Prenant la parole, le secrétaire général de l'IDP Soguizin Kabuya a avant tout appelé l'assistance à mettre en pratique cette parole riche en enseignements avant de remercier l'assistance pour avoir répondu massivement à cet appel. Après l'âge de 40 ans, ça n'a jamais été facile. De messe, nous avons acquis la maturité pour faire bouger au monde. Nous avons atteint l'objectif du combat. N'importe quel type de pouvoir de l'île de messe au niveau de la messe par le Sénabel. Il nous a parlé de l'amour, l'unité, des sacrifices qu'a consenti notre leader. Si vous sortez après ce journal, prenez soin de vous protéger pour éviter une pigmentation. C'est dû à une forte chaleur qui tape sur la ville de Kinshasa. Vous avez donc compris que c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bobina Dorcas nous a aidés à l'écriture de ce journal sous la direction de Chimène Dondo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. We'll be right back.